Hello les amis survivors, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur le troisième épisode de The Last of Us Part 2 Remastered sur PlayStation 5. Alors, je me suis rendu compte que les deux premiers épisodes ont été tournés en mode fidélité. Si vous me connaissez, vous savez que je préfère de loin le mode performance pour avoir vraiment les 60 fps, la fluidité. Et bah vous savez quoi, je m'en suis pas rendu compte que j'étais en mode fidélité. Du coup, ça vous a permis quand même de voir deux épisodes complets au plus beau, voilà, en mode 4K, vraiment la meilleure version au niveau vraiment graphisme, on va dire. Mais c'est vrai que je préfère, et je pense que vous aussi, regarder un let's play en 60 fps, bien fluide, surtout avec ce gameplay quand même vachement dynamique. Donc à partir de maintenant, la série sera en mode performance. Je pense pas qu'on verra une grosse différence, et puis comme ça, on aura vu vraiment en deux épisodes complets ce que donnaient les plus beaux graphismes du jeu. Mais maintenant, on va privilégier bien sûr la fluidité. On est arrivé au théâtre avec Dina. On a échappé de justesse au Wolf. Et malheureusement, on a appris que Dina se ne sent pas très bien puisqu'elle est enceinte. Et ouais les gars, elle est enceinte, c'est un truc de ouf, probablement par Jesse, hein, qui est son ex. Donc c'est pour ça qu'elle est autant fatiguée. Et puis en même temps, elle a l'impression que cette quête va un petit peu loin pour elle. Beaucoup de violence, beaucoup de morts. On est sur la route de Tommy, qui laisse des cadavres et des gens torturés derrière lui, en vue de retrouver bien sûr Abby. Ellie, bien sûr, elle est loin d'avoir dit son dernier mot et sa quête de vengeance ne s'arrêtera pas tant que Abby ne sera pas morte. Vous l'avez compris et on le voit sur son visage qui est très marqué et très en colère. Allez, on va avancer dans ce théâtre qu'on vient du coup de rejoindre et on va commencer à fouiller un petit peu les environs. C'est fermé, clé nécessaire, ok. On va essayer peut-être par ici. Ok, on est dans les chiottes, tout va bien. Du papier, très bien. Pour s'essuyer les mains, c'est pas mal. Des petites pilules pour nos petites compétences. Oh, et on a trouvé un mot juste ici. Qu'est-ce que c'est? C'est pas un mot. Je me demande combien il y a de morts dans cette pièce. C'est une tragédie américaine qui s'appelle Cassandra. Ok. Bon bah puisque le rez-de-chaussée est fermé, on va aller à l'étage. Enceinte. Enceinte, putain. Comment t'as pu me cacher un truc pareil? Bah je pense tout simplement qu'elle voulait te suivre. Hein. Puisqu'elle t'aime. Hein. Employé only. Ok. On a trouvé une autre salle. Attends, on va aller voir ici là. Qu'est-ce qui se passe ça? On a une fenêtre. Il pleut comme vache qui pisse, les gars. Ah, cette petite expression. Une vache qui pisse. C'est rigolo quand même. Qui a inventé cette expression? En même temps, quand tu vois une vache pisser. Voilà, tu comprends pourquoi on dit ça. On a trouvé un petit mot. 13 septembre. Ils ne reviendront pas. Soit ils sont fait attaquer, soit ils m'ont laissé tomber. C'est pas ma faute si je suis tombé malade. Au moins, je n'ai plus de fièvre, mais je crève la dalle. Je pourrais sans doute trouver de quoi manger dans les bâtiments autour et essayer de contacter quelqu'un sur la radio. 15 septembre, il pleut sans cesse, mais au moins je ne mourrai pas soif. Le problème, c'est que ça m'a fait planter l'électricité tout le temps. Du coup, difficile d'utiliser la radio, mais bon. C'est pas comme si j'avais une réponse. De toute façon, le WF ne peut pas avoir détruit tous les postes d'écoute de la FEDRA. C'est pas possible. Faut que je continue d'essayer. J'ai rêvé qu'il riait alors que je me vidais lentement de mon sang, à cause d'une blessure par balle. Je me suis réveillé il y a une heure, encore tremblant. J'ai besoin d'une clope. J'aurais dû en trouver facilement dans une putain de théâtre. Dans un putain de théâtre, mais pas dans celui-ci, apparemment. 19 septembre, le courant est encore mort. Je vais monter sur 3, voir si je peux le relancer. Quelqu'un habitait ici. Eh ouais.
Je vais voir si je peux... Voilà, je vais me confectionner un petit soin, un petit silencieux aussi. Voilà. Ce qui va peut-être me permettre de choper davantage de ressources. Ah. Et ouais, la radio fonctionne pas, y a pas de courant. Ellie, voyons. Faut que je remette le courant. Ouais, exactement. Avant de sortir, suivre le câble électrique, je voulais juste aller voir à cet étage-là. Il y a des choses à trouver, je crois. On a trouvé une autre lettre. Ok, 4 septembre. Avec Perez, Green, Saadam, on est arrivé au poste d'écoute il y a 2 jours. Tout baigne pour l'instant. Le WLF n'est pas encore venu se fouiner de ce côté. Ces ordures ont envahi toute la ville. On a eu du bol monstre et un bon sens du timing pour s'enfuir du QG. Torres, Ward et les autres sont sûrement morts. On campe ici, heureux d'être en vie. 6 septembre, j'arrive pas à dormir. Fièvre de cheval, pas de médoc. On a cherché partout, on n'a rien, à part nos propres uniformes. Personne nous a appelé à la radio non plus. Combien des nôtres s'en sont tirés? 7 septembre, encore fiévreux. Pas de grosse entaille, donc sans doute pas une infection. Les autres attendent à la tombée de la nuit pour filer à l'hosto, histoire de me chercher des médicaments et des provisions pour reprendre la route. Ils sont sympas. 10 septembre, ça devrait pas leur prendre autant de temps. Et ouais, donc ça c'est... Ça fait longtemps qu'il est parti. J'espère qu'il y a personne d'autre. Ouais, en tout cas c'est clair qu'il y avait les gens de la Fedra qui étaient là. Ok. Là on peut rien prendre. On va aller voir au fond du couloir s'il y a des trucs cool. Ça fait quand même vachement vivre parce que tu sais pas si tu peux tomber sur un infecté d'une minute à l'autre, tu vois. Ah, une petite carte. Ok. La carte de... Beyond. Oh mon dieu, Beyond. Identité, Imani Graves. Intelligence 80, force 40. Eh, je me demande s'il y a des gens qui ont fait... qui ont fait ces cartes-là, tu vois. Bon, on va aller rétablir le courant. Parce qu'il faut qu'on arrive à communiquer avec la radio. Oh, super. Elle a mis sa capuche, c'est trop bien fait. Ce genre de détails, les gars, ce genre de détails. Et c'est vrai qu'il y avait déjà ces détails dans Uncharted 4. C'est assez incroyable. Et quand j'ai joué à Uncharted 4 il y a pas longtemps, je me suis rendu compte du coup de toutes les similitudes en fait. Bon sang. Ouh. T'as grillé. Ah ouais, lui là. Ah, ouais. Ah le pauvre, il a fini grillé. Le mec du coup de la lettre qui est monté sur le toit, bah voilà, il a fini là. Allez. Allez, vas-y, attire-moi ça. Faites que ça marche. Bon, j'ai pas envie de finir comme lui, donc on va éviter de toucher. C'est bon, il y avait un truc. Ah oui, il y avait des petits boulons, c'est bien ce que je me disais. Allez, on redescend. Et j'avoue, il y en a plein qui ont connu, je pense, Naughty Dog avec les Uncharted. Moi, c'était pas mon cas parce que j'y avais jamais joué avant de vous faire cette série de Let's Play où on s'est refait tous les Uncharted sur la chaîne, hein, du 1 au 4 avec le standalone. Mais j'avoue, quand The Last of Us est sorti, les gens ont dû péter un plomb, quoi. Ils ont dû tellement kiffer. Moi, j'ai pas connu ça, tu vois. Je l'ai connu bien après The Last of Us. Hop là. Alors, faut la régler. Tiens donc. Nickel. Le mec avait caché des clés en dessous. Le petit malin. Bon, la radio fonctionne pas. Mais au moins, on a probablement trouvé les clés du rez-de-chaussée. Donc, on va redescendre. Et en plus, on a rétabli la lumière. Et ça, c'est stylé. Bon, Dina est encore en train de dormir, la pauvre. Et c'était là-bas. Allez, faites que ce soit la bonne. Il a de la chance de tomber sur la bonne clé. Hein. Ouh.
Le théâtre, mon petit gars. Waouh. Ouais, ça c'est classe. Ça t'aurait plu de regarder un film ici. Oh, ça me fait trop de la peine. On va aller derrière le rideau. Flippant. J'y crois pas. Oh. Faut savoir qu'on n'était pas obligé de trouver la guitare d'ailleurs dans le premier épisode. Donc là, pour ceux qui l'avaient pas trouvé, c'est une occasion de pouvoir jouer de la guitare. Oh, cette musique, c'est un délire quand même. Ah là là. Ah, j'adore ce moment. 3 ans plus tôt. Ça commence à donner quelque chose. Oh, je suis nulle. Mais non. Faut juste que la corne se fasse, c'est tout. Ouais. Allez, tu viens? On y est? Ouais. Oh, putain. Et oui les gars, de retour avec Joël. Allez, j'essaie de deviner. Quoi? Tu veux gâcher la surprise? Je sais pas. Est-ce que c'est un dinosaure? Pas la peine de te fatiguer, je dirais rien. On verra. Est-ce que c'est un éléphant? Est-ce que c'est un cabriolet? Tu devineras jamais. Est-ce que c'est un chiot? Est-ce que c'est un paquet de chatons? Une portée, tu veux dire? C'est quoi une portée? Un groupe de chatons. Alors pourquoi on dit pas juste un groupe de chatons? Avance, au lieu de parler. J'adore ce moment parce que c'est le moment un petit peu après le 1, finalement. Quand la relation entre Ellie et Joël est au mieux, tu vois. Ils ont traversé tout ce qu'ils ont traversé dans le 1. Ça les a vachement rapprochés quand tu sais d'où ils partent au début du 1, comment leur relation est conflictuelle. Et à la fin du 1, il y a vraiment quelque chose qui s'est créé. Et bah là, on retrouve ça, tu vois. Et ça fait du bien parce que tu sais après comment ça s'est passé. Fais attention. T'inquiète. Hop. Ah, le salaud! Mais t'es malade ou quoi? Si seulement tu pouvais voir ta tête. Je pourrais me noyer. Mais non, tu vas pas te noyer. T'es pas aussi empoté que tu le crois, tu sais. C'est ça, marre-toi, l'ancêtre. Je t'aurai la prochaine fois. C'est par là. Je te déteste. Et oui, parce que Ellie ne sait pas nager. Tu nages de mieux en mieux. N'oublie pas, le but c'est pas de s'agiter dans tous les sens. Repousser l'eau avec le bras entier. Bla bla bla. Je suis content de voir que tu m'écoutes. Ellie, viens là, regarde un peu ça. Tu le vois, c'est juste ça. Là, regarde. Oh. Ouais. Je le vois. Ouais. On dirait... Oh.
Bien envoyé. Alors, ça fait quoi? Ça rafraîchit. Ouais, c'est pas cool de se faire pousser, hein? Eh ben... En fait, il fallait qu'on fasse cette partie du chemin à la nage. Je me suis vengé. T'es super énervé. Ouais, t'as raison, je suis super énervé. Allez, viens. Oh. Oups là, oh, elle a fait une bombe. J'avais jamais vu ce détail. On va devoir passer là-dessus. Inspire à fond. Ouais, pas de problème. Allez, sous l'eau. Waouh. Bah dis donc, faut pas avoir peur d'être mouillé. Hein. Est-ce que c'est mon prof d'histoire de 6ème qui s'excuse d'être un gros con? Je te demande pardon. Moi et une copine, il nous énervait quand il traitait les lucioles de terroristes. On finissait tout le temps en col. Tu devrais arrêter de t'énerver pour un oui ou pour un non. Je supporte pas les cons. Prends sur toi. Il faut encore plonger ici. Où est-ce que tu m'emmènes? C'est un truc de ouf, hein. Le chemin, il est incroyable. Je sais pas comment il a trouvé l'endroit où on va aller, mais... C'est un de mes moments vraiment préférés du jeu. Est-ce que c'est... une nouvelle paire de baskets? Est-ce que t'en as pas assez comme ça? Sûrement pas. Ça va aller? Ça va aller, papy? Wow. Viens là. Ok. Ok. Ça me saoule, j'arrête de deviner. Ah, enfin. Des fois, j'ai du mal à réaliser qu'il soit bon, plus là, tu vois. Une énorme collection de BD? Non. Attends. Une collection de DVD? Oui. Laquelle? Juste, oui. C'est des laserdiscs? J'ai entendu parler. Elle est trop chiante. Oh, j'y crois pas, Joël. On y est. C'est vraiment un dinosaure! Tu l'as dit. Joël! Surprise. Je ne crois pas. Putain, c'est un dinosaure! Eh ouais. C'est un dinosaure, les gars. Ah, sachant qu'elle est fan, c'est trop bien, quoi. Le roi des lézards tyrans. Il est énorme. Eh, hey, on a notre journal, c'est vrai, ça. On peut peut-être même voir ce qu'il y a eu avant. Pour voir un petit peu, à cet âge-là, qu'est-ce qu'il y a dessiné. Ok, des cerfs, des biches. Tommy Joël, elle a dessiné Tommy et Joël. Ok, elle a dit quoi? Je déteste la ferme, je ne vois pas pourquoi tout le monde veut faire ça. Note pour plus tard, demander à Maria quand je pourrai m'inscrire à la formation aux patrouilles. Aujourd'hui, Dina et moi, on est tombés sur un camp abandonné. Elle m'a dit que des enfants venaient s'amuser ici l'été. On a trouvé du matériel d'art plastique. Elle a découpé des feuilles de couleur pour nous faire des couronnes pendant qu'il pleuvait. C'est une bonne journée. Donc déjà, il y a 3 ans, Dina et elle, elles étaient déjà proches, tu vois. Joël m'a dit qu'il m'emmènerait camper la semaine prochaine pour mon anniversaire. Il dit qu'il a trouvé un truc qui va me plaire. Il a l'air tellement fier de lui, il me fait rire. Kat s'est assise à côté de moi pendant le film. Nos coudes se touchaient, je crois qu'elle le faisait exprès, j'en sais rien. Peut-être pas. Probablement pas. Donc déjà, tu vois, elle était déjà attirée par les filles, parce que là, c'était pas Dina, c'était une autre fille qui s'appelait Kat. Dina m'a fait une couronne pour mon anniversaire. Elle est retournée au camp pour changer le papier. C'est plutôt cool. Ok... C'est stylé, hein. Ouais, tellement beau le jeu, il est tellement beau. L'histoire naturelle du Wyoming. Comment t'as trouvé cet endroit? Maria, c'est elle qui m'en a parlé. Je me suis dit que ça te plairait. T'avais raison. C'est quoi? C'est un livre. Un livre sur les dinosaures. Ok. D'accord.
Bienvenue au musée des dinosaures, les gars. Hey, regarde ce qu'on a trouvé. Waouh, génial. Tu veux l'essayer ? Pas du tout. Comme tu veux. Eh ben nous, on l'essaye. Et voilà. Tête à chapeau. Trop cool, non ? Oh, regarde-moi ces griffes. Ça, c'est un vélociraptor. En fait, c'est un Deinonychus. Non, je crois bien que c'est des vélociraptors. Oui, je confirme, enfin, avec les ongles là, comme ça, les griffes. Est-ce que ce film s'appellerait pas Jurassic Park par hasard ? Non, je sais pas, je dis ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là dans cette petite pièce ? Rien du tout. Ah, si, une chaise. Ah, bonjour. Désolé, mais les dinosaures ne sont pas disponibles. Qu'est-ce que tu fabriques ? Oh, attendez. Un des dinosaures est arrivé. Joël, c'est pour toi. Très drôle. Elle est trop fun, elle, je te jure. Ouais, c'était très drôle. Elle est vraiment bon délire. T'es vieux. Mais oui, j'avais compris. Ok. Ouais, c'est pas la peine d'expliquer la blague, on a compris. Sacré Ellie purée. Ouh. Alors ça, je crois que c'est des Galliminus. Et eux, ils appellent ça des Compsognathus. Drôle de nom pour de ces petits trucs. Ouais, ils grouillaient. C'est eux qui bouffent un mec là dans un des Jurassic Park. Ça aussi, tu l'as vu dans un film ? Eh bah ouais, mais pas dans le même. En fait, ils ont fait une suite. Eh ouais, c'est vrai. C'était moins bien. Comment ils taillent ? Comment ils taillent ? Mais non ! C'est vrai que c'était moins bien quand même. Oh, un stégosaure. Yes, j'ai des restes. Hein. J'étais fan des dinosaures quand j'étais petit, les gars. Genre vraiment, c'était. Regarde. Ça, c'est un dinosaure avec un chapeau. Oui, c'est un chapeauzaure. Oh, chapeauzaure, pas mal, pas mal. Je le reprends quand même, c'est mon chapeau. Mais ouais, j'étais trop fan des dinosaures quand j'étais petit. Ma grande sœur aussi, donc voilà, elle avait des jouets d'ailleurs, des super beaux jouets de dinosaures que je lui essayais de lui piquer, mais j'avais pas le droit. Je connaissais grave les c'est noms des dinosaures. Indispensable. J'espère qu'elle va pas tous les faire. Bien sûr qu'on va tous les faire, mais c'est sûr qu'on va tous les faire en fait. Triceratops qui s'appelle, qui a été baptisé Winnie du coup. Alors ça là normalement c'est un Diplodocus. Oh. Hey, Joël. Ellie. Hop là. Oh ça lui va grave bien. Interdiction de l'enlever. Mon anniversaire, mes règles. Et ouais, c'est l'anniversaire d'Ellie les gars. Wow, le cerveau de celui-là faisait la taille d'une noix. Ah, c'est vrai. Mais alors, ça vous fait un point commun. Oh, très drôle. Ah, ils vont trop bien ensemble, là. C'est trop marrant. Le brachiosaure. Et d'accord, bah c'était pas un diplodocus, c'était un brachiosaure. Très bien, très bien. Wow. Un dimétrodon. Le Dimétrodon était un super prédateur. C'est quoi un super prédateur ? C'est un prédateur qui déchire. Plutôt court sur pattes. C'est pas la taille qui compte. Je crois qu'un super prédateur, c'est qu'il a pas de prédateur au-dessus de lui. Un truc comme ça. C'est lui qui bouffe tout le monde. Le nom Galliminus. Ah, Galliminus, c'est lui ? Qui imite la poule. Qui trouve ces noms ? Les scientifiques. Bah. Ils sont nuls. Bah c'est bizarre parce que les Galliminus dans Jurassic Park 2, du coup, c'est les plus petits, c'est ceux qu'on a vus. C'est rigolo. Brachiosaure, waouh. 300 kilos de plantes par jour. 300 ? Ouh, imagine les crottes. Il y avait une scène où, en fait, un des personnages dit « C'est vraiment un gros tas de merde ». Ah ouais, c'est dans le 1. C'est quoi ce film et quand est-ce qu'on le regarde ? C'est quoi ? Quand on rentre à Jackson, soirée film. Oh, incroyable. Oh, il est trop bien, quoi. Waouh. T'es mal les empreintes, mon gars, là. Heureusement qu'on n'a pas vécu à l'époque des dinosaures. Hein. On n'aura pas fait long feu. Velociraptor. Joël,
C'est celui dont tu parlais. Le Vélociraptor. Il est tout petit. Bah ouais. Rien à voir avec celui du film. Ah, est-ce qu'il se serait trompé ? Allosaure. Tyrannosaure, il est énorme. Regarde l'épaisseur de son crâne à lui. Il ressemble un peu... Pachy. À Tommy. Le pachycéphalosaure, c'est celui qui a... Direct, t'as dit ça. Vous savez, il a une non, grosse... Sous le bon angle, c'est Tommy, tout crâne. J'avoue, ça peut être Tommy. C'est celui qui a une espèce de, voilà, de masse là sur la tête, un os qui ressort là. Il tape les autres dinosaures, leur fonce au-dessus avec la tête. Oh, ils sont trop stylés, quoi. Wow, celui-là ressemble à un oiseau. Ouais. Eh ben, en fait, les paléontologues pensaient que les oiseaux descendaient des dinosaures. Oh, pardon, monsieur le professeur. Qu'est-ce que tu crois ? Je sais des choses. Grâce à un film. Continue. On n'a pas été dans cette pièce là-bas, on va aller voir ça. Toi, ça me donne envie d'aller au musée d'histoire naturelle de Paris. Ah bah, il y avait une petite carte. J'ai envie d'emmener les enfants là-bas. Et franchement, je trouve ça super intéressant. En plus, ils ont des grands dinosaures comme ça aussi. Donc, je pense que ça leur ferait vraiment kiffer, moi. La dernière, elle est un peu jeune, quoi. Un an, je suis pas sûr qu'elle va capter. Grimace. Grimace. Ih, gros sourire. Tête en bas. T'es moi cette tête. Hop là. Ok. C'est bon, on arrête. Oui, t'as quelque chose à dire, Joël? Je crois qu'il avait quelque chose à dire en plus. Non? Joël? Joël s'est barré. Il me laisse faire mes grimaces tout seul. Ok, non, c'était juste pour le miroir, je crois. Je crois qu'on va pouvoir passer à l'étage. Eh oui, parce qu'il y a un étage. Je me souviens plus qu'il parlait comme ça du film Jurassic Park. Ça me fait marrer. Attends. Qu'on peut les dessiner eux? Non, c'est mort. Oh, par contre on a trouvé un deuxième chapeau et ça c'est cool puisque j'ai donné mon chapeau à Joël. Et regarde, stylé hein. Pardon, je te mets la lumière sur la tête. Tu vas voir ce chapeau là. Oh ouais, il y va bien. Allez, on monte. Joël, t'es où? T'allais souvent au musée? Ouais, Sarah était fan. Elle a dû me traîner dans absolument tous les musées du Texas. Ah, je me rappelais plus qu'il était texan, lui. Le brachiosaur. On dirait une girafe. Ouais, je trouve aussi. La petite ref. Je reconnais que c'est drôle. Bah ouais, c'est grave drôle. Bon, par contre, là, on pourrait plus le récupérer, donc ce dinosaure gardera éternellement ton chapeau. L'extinction des dinosaures, eh oui. Ce qui nous a permis d'être là, finalement. Waouh, on traverse la voie lactée. Tu savais qu'il y avait ça? Ah, ça te plaît pas. Non, on peut partir. T'es bête. Les planètes de notre système solaire. C'est trop stylé ça. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, les amis. Et dire qu'on est en train de tout mettre en œuvre pour aller sur Mars, c'est un truc de ouf. Hé, hey Joël, tu connais le nom de toutes les planètes? Mon vieux tonton musicien joue sur un nouveau piano. Tu me fais une attaque ou quoi? Mon Mercure, oh. Vieux, Vénus, tonton, Terre. Oh, ok, j'ai ah, compris. Ah ouais. C'est bien trouvé. Débat. La Terre ne tourne sur elle-même, la Lune tourne autour du Soleil, comme la Terre d'ailleurs, comme toutes les planètes. Pas toutes en fait, elle tourne pas autour en fait, je suis en train de me rendre compte. Elle tourne pas tout autour du soleil. Celle-ci elle tourne sur elle-même, non? Et celle-ci là-bas aussi? Ouais, celle-ci elle... Ah ouais, celle-ci c'est vraiment la plus éloignée. Et Mars du coup elle est où? Ok, Mars elle est... Ok, Mars elle est là. Waouh. C'est une dinguerie comme voyage.
Ah, on a toutes les fusées. Hey, Joël, quel a été le premier animal à être allé dans l'espace? Ah bah ça, je sais, c'était un singe. Non, des mouches. Ouais, en 1947. Ah ouais? C'était pour tester la résistance aux radiations à très haute altitude. Et elles ont survécu. La vache, t'es plutôt futé. Merci. Tiens, je sais pas si vous avez vu les nouvelles... transformé en super mouche. Quoi? Non. Je sais pas si vous avez vu les nouvelles combinaisons de SpaceX, cosmonautes. Elles sont trop stylées, on dirait vraiment que t'es dans Interstellar, tu vois. L'un de mes films préférés au passage, Interstellar, bien sûr. Avec Matthew McConaughey. Enfin, vous avez compris. J'adore cet acteur. Waouh. Un jour. Imagine un jour elle va sur l'espace. Non, ce serait bizarre. Non, en vrai, je suis. Non. Ellie dans l'espace. Non, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Un rover. Un rover galactique. On dirait un quad en fait. Oh génial. Il est où le volant? Enfin un kart plutôt. Les rovers ont pas de volant. Il y a des manettes. Ah. Attends. C'est le vrai rover? Ils ont laissé les vrais sur la lune. Alors. Ah ouais? Je dirais que non. C'est vrai ça? Les mecs ont laissé des... Putain, mais partout où on va, on laisse des déchets, en fait. Ou alors c'est pour les prochains qui y ont. Tiens, je vais me renseigner ça. Est-ce qu'ils ont vraiment laissé les rovers sur la Lune? Non, parce que quand on va y retourner, du coup, on veut des photos, tu vois. Pour montrer aux gens qui pensent qu'on n'a pas été sur la Lune. Bah regardez, il y a des rovers. Alors soit c'est des extraterrestres, soit on est déjà allé. Yes. Trop cool. Ça, c'est vraiment stylé. Bim. Ça fait pas trop là-dedans. Ça sent l'espace et la crasse. Beau. Oh. Je peux en prendre un autre, c'est ça? Ah ouais. Yes. Je peux tous les essayer, effectivement. Celui-là, il a l'air assez cool. Tu vois? Hop là. Tu pourrais les remettre où tu les as trouvés quand même, t'abuses. Wouhou. Ouais, non, maintenant les combinaisons elles sont trop stylées, c'est un truc de ouf. C'est ouf. Attention à la tête. C'est dingue. Ok. Regarde un peu tous ces boutons. Oh, trop la glace. Putain. Non mais t'imagines le truc? Bon anniversaire, Ellie. C'est quoi ça? Ça, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Prends-la. Ferme les yeux. Tu vas voir, ça vaut le coup. Ok. Trop stylé. Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lift off. We have a lift off. 32 minutes.
T'as aimé ton cadeau? J'ai adoré, putain. C'est pas le meilleur cadeau, les gars, franchement. Là, tant mieux. C'est un truc de ouf. Il est pas trop gentil, Joël. Oh. Bon, qu'est-ce que tu dirais d'aller explorer le coin? Ouais, ok. Allez. Il est trop gentil, c'est trop mignon ce qu'il a fait, tu vois. Yes, le petit pins. Et du coup, c'est le pins qu'elle a sur son sac, hein. Ouais, c'est ça. On vérifiera quand même dans le temps présent si elle l'a. Elle l'a toujours, mais. Mais je pense que, ouais, tu vois, il est là, il est accroché en bas du sac, là. Ah, c'est un truc de ouf. J'aurais tellement aimé qu'il. Qui reste en vie un petit peu plus longtemps. Mais bon, l'histoire a été différente, c'est comme ça. Attends. Bien joué. Le musée continue par ici. Je suis jamais allé dans ce bâtiment. On y va alors. Et tu peux m'expliquer comment tu comptes y aller? Bon. Comme ça. Comment il a gueulé. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Allez, viens. Non. Eh, c'est mon anniversaire, je te rappelle. Arrête un peu ces conneries. Vas-y, et je veux que ça éclabousse. Allez, papy. On a plein d'autres endroits à explorer. Geronimo. Génial. Débat. Ça va, t'es pas mort? On peut rentrer par là. C'est fermé. Eh, hey, fais-moi entrer. Je sais pas. Je t'ouvrirai la porte. On peut pas abandonner maintenant. Ellie, c'est vraiment une casse-cou. Allez. Tu peux pas lui dire non en plus, tu vois, elle est trop chou. Vas-y. Bon. Ah. Bon, finalement. Mauvaise nouvelle. Il y a un truc qui bloque la porte. Bah, essaye de nous trouver un autre accès. Je fais le tour du bâtiment. Ok, fais gaffe. Toi, fais gaffe. Il y a des dinosaures dans le coin. Wow. Oh, garde le moral, mon vieux. Alors, certains disent que c'est un petit peu une métaphore de ce qui est arrivé à Joël et lui aussi. Hein. Une meute de loups qui attaque un cerf. Le cerf, ce serait Joël. Hein. Joël, la forêt, machin. Et les loups, bien sûr. Bah les wolves, WLF, voilà. Clairement. Wow. Il est grave bien fait, je crois que c'était un vrai. Les bisons. Oh. J'ai tué pour eux. Ok. Voilà un qui est en manque de câlin. Ça, c'est un petit peu chelou, Ellie. Fait sombre ici. Ouais, c'est un peu flippant avec tous ces animaux là. Les 4 soldats à l'entrée, le dernier a pleuré. Waouh. T'es bizarre, mec. Oh. Merde. J'ai entendu du bruit. La femme qu'on a torturée s'est noyée dans son propre sang. Mais quelle horreur. J'espère que ce gars n'est pas là. Les vagabonds qui sont introduits dans le camp, ils voulaient juste manger.
Je rallume la lampe. Wow. C'est quoi ce bruit? Montre-toi, putain. Le gamin qui s'est mis à courir, j'ai pas pu l'arrêter. Oh là là. Je peux pas passer. Attends, je récupère ça. Là, il y a un message encore. Les gens dans le fourgon, on les a enfermés dedans et on l'a arrosé d'essence. Ouais, on est tombé sur un gros psychopathe, là. Hein? Il n'y a pas de lumière. Waouh! Ah ouais, lui, il s'est pris une balle dans la tronche. Oh mon dieu. Je récupère des balles de flingue. Il y a un mot. Nous voulions mettre un terme à la souffrance. Nous voulions rétablir l'humanité. Chaque fois que nous sacrifions une partie de nous-mêmes, nos chefs nous disaient que ça en vaudrait la peine. Aujourd'hui, le groupe est dissous, et il ne nous reste plus rien. J'ai pensé que venir ici réveillerait quelque chose, me donnerait un but. Mes parents adoreraient m'amener ici. C'est un de mes premiers souvenirs avant l'épidémie, avant la cruauté et la sauvagerie. Ces souvenirs accentuent ma colère. Je ne veux plus faire partie de ce monde. Je ne peux plus me regarder en face. Et le mec s'est suicidé du coup. Passer par le trou. Oh purée. Putain d'animaux en toc. Encore les loups. Wow. Ah ouais. Oh putain. Ça fait écho à la scène dans les Lost Levels, hein, si vous avez vu ma vidéo sur les niveaux perdus. Ça fait écho. Menteur. Ellie ! Je suis là ! Menteur. C'était quoi ça ? Rien, c'était juste un animal. Les lucioles. Allez, on se bouge. Je voudrais faire un feu avant qu'il fasse trop sombre. Tu viens ? Et là, Ellie, elle pense forcément à ce que Joël lui a dit, comme quoi ils ont pas trouvé de vaccin avec son corps. Qui est le menteur ? Les lucioles ou Joël ? Et ouais. Seattle. Deuxième jour, ça y est. Et donc effectivement, elle a bien le petit pins que Joël lui a offert, le petit pins avec la fusée dans son sac, sur son sac. Ah, attends. S'entraîner, non, bah je pense que c'est bon. Donc il y a la radio qui nous a réveillés. On va aller voir ce que c'est. Est-ce que Dina est toujours en train de pioncer? Ah non, Dina n'est plus là les gars. Wow. Ah la vache, ouais ouais, c'est symptôme d'une femme enceinte quoi, normal. Et tu me trouves toujours canon là? Carrément. Tu l'as réparé? Il y avait un faux contact. C'était l'antenne. Ils sont au courant pour l'école. Tant mieux. Ce mec, Owen, il a disparu. Peut-être que Tommy l'a chopé. Possible. Et elle,
Rien pour l'instant. Unité Roméo, vous êtes attendu au secteur 2. Je répète, vous êtes attendu au secteur 2. À vous. Alors, les chiffres indiquent des secteurs. La station télé où on était, c'est le secteur 6. On intercepte un max de messages du secteur 2. C'est là que doit être leur base. Elle a pas bonne mine, hein. Ça fait du bien. Les femmes enceintes, elles aiment bien qu'on leur masse le bas du dos. Je suis vraiment désolée. Pour la nuit dernière. C'est rien. Plusieurs morts dans le secteur 14. Toutes les unités disponibles au rapport. À vous. Ici le secteur 13, unité Lima à proximité. Combien de scars ? À vous. Ce ne sont pas des scars. Il s'agit d'un homme seul, armé. Tu penses à ce que je pense ? C'est Tommy. C'est où le secteur 14 ? Tommy, baby. En fait, j'en suis pas tout à fait sûre. Ok, essaie de deviner. Si le 7 se trouve ici, et que là-bas, on a le 12, je dirais que c'est quelque part dans ce coin. Hillcrest. Hillcrest. D'accord. Tina. Ouais. Ça va pas fort. Ouais. Je vais le retrouver. Toi, tu les gardes sur écoute. Ouais, d'accord. Attends. Tiens, mais ça. Ça te portera chance. Je crois pas en la chance. T'as tort. Retour dans la violence après cette petite interlude de paix dans le passé. J'ai adoré ce moment. Ok, Hillcrest. C'est le bon endroit ? Ouais, c'est le bon endroit. Yes, c'est le bon endroit. Ok, ça doit bon. Être on va commencer à regarder dans les bâtiments, vite fait. Voilà, trouver des trucs cool pour améliorer Ellie. Oh, ok. Ah. Qu'est-ce qu'on a dans ces chiottes bien dégueulasses? Ok. Je crois que c'est dans cette zone aussi on va pouvoir trouver d'autres améliorations peut-être. On va essayer quand même de fouiller. Il y a un papier là. Bear your fangs. Montrez les crocs. Ils nous prennent pour des moutons. Rejoindre le Washington. Le WLF quoi en gros. On va regarder là-dedans. Oh, balle de flingue. On n'a pas énormément de balles d'ailleurs. Donc il vaudrait mieux effectivement en trouver. Parce que c'est un petit peu... La loose. Ok. Une laverie. Qu'est-ce qu'on peut se faire? Un petit cocktail molotov, c'est pas mal ça. C'est un peu bourrin, j'aime bien. Alors, ces deux magasins là. Attends, on est ressorti par où là? On est venu. Hein? Ah ouais, on était là, ok. On va aller voir de l'autre côté de la rue. Oh, ils font flipper ces magasins là avec des pantins. C'est un truc de ouf. T'as toujours l'impression qu'il y en a un qui va te regarder, tu vois.
Waouh, super, un tiroir vide, les gars. Yes, c'est cool. Ok, on peut aller au sous-sol, super. Fermé. Et là, c'est pour sortir, d'accord. Bon, bah, essayons le sous-sol, hein. Hop là. Tu sais quoi, je vais ouvrir la porte d'abord. On sait jamais si je me fais courser. Toujours prévoir ses plans de sortie. Oh, un établi. Bon, ça va, ça a l'air plutôt calme. C'est quoi ce truc? Tir à l'arc, Sunny Whale, première place. Oh. On avait un archer. Waouh. C'est plutôt pas mal. Il est beau gosse le dessin. Joyeux anniversaire papa, le meilleur tueur de claqueurs de toute la ZQ. Oh yeah. Eh bah. Il y a un nouveau tueur en ville, mon petit gars. Pas mal de boulons. Je pense qu'on va pouvoir peut-être améliorer une de nos armes. Voilà, des flingues, ça c'est parfait. Hey. Je crois que j'ai laissé des boulons. Qu'est-ce qu'on prend? On améliore peut-être le fusil à pompe. Quoique, on a le revolver. Je pense qu'on va plutôt partir sur le revolver. Je vois qu'il y a rechargement qui est dispo. Ou alors cadence. Allez, on va partir sur la cadence. Ça coûte 30 boulons. J'en ai 37, donc il m'en reste plus beaucoup. Le petit revolver de Joel, les gars. Il est avec nous. Bon, si on trouve des boulons, bon, on n'en aura pas assez, bien sûr, pour... On va se faire un piège explosif aussi. Tac, ça c'est fait. Ça me permet pas de prendre autre chose, donc on va ressortir. Du coup, on a 5 balles de fusil de combat, 3 de revolver. Hop là, on va ressortir. Ok, un autre magasin. Magasin de quoi, ça? Magasin de rien. Je sais pas c'est quoi. C'est quoi ce magasin? Ah, c'était une Madrona Bakery. Ah, c'était une genre de pâtisserie, quoi, en fait. Ok. Et on a celui-là aussi. Je crois pas qu'on l'ait. Attends, on l'a visité. Ah, je sais plus lesquels on a visité, lesquels on l'a pas visité. Je crois que celui-là on l'a visité. Ouais, c'était la laverie, ok. Eh ben, on peut se barrer. Là où il y a les tirs. C'est bien, non? Je fais comment pour monter? Wow! Ces connards sont trop nombreux. Ouais. Hillcrest, donc hill, ça veut dire colline, et effectivement on voit que c'est bien une colline. Le Rust and Coffee, ok baby. Alors, allons là-dedans. Ah, c'est une librairie. Librairie ancienne, je crois même. Librairie de livres d'occasion. Oh, voilà. Voilà pourquoi il faut fouiller, parce que on trouve des balles. On a trouvé une lettre. Boris, les wolves se sont introduits dans le QG de la Fedra et ont trouvé la liste des effectifs. J'ai entendu dire qu'ils allaient de maison en maison à la recherche de soldats. Je refuse d'être exécuté dans ma propre ville. Quand les choses se seront calmées, j'essaierai de revenir sous une nouvelle identité. Je n'ai pas trouvé Alfie. J'ai laissé son stock de nourriture sur ton porche. Si jamais je ne reviens pas, fais-lui le plein de caresses de ma part. Il vous a toujours aimé, Sophia et toi. Signé Yolanda. Ok. Wow. Attends, là je crois qu'on peut sauter par-dessus, mais je voudrais d'abord aller voir le Rust and Coffee. C'est écrit quoi? Fuck. Ah ouais, fuck the wolf quoi, clairement. Qu'est-ce qu'elle a écrit dans le journal? Qu'est-ce que je fous ici? Des puants, d'où sortent ces nouveaux infectés. On n'avait pas lu ça. Et du coup, elle a écrit un nouveau truc. Qu'est-ce que je fous ici? Comment je... On vient de commencer. J'aurais pas dû lui dire ça.
Elle va me voir différemment maintenant, c'est sûr. Donc c'est Ellie qui parle de Dina. Je suis dégoûté que mon masque ait lâché. Depuis quand elle sait qu'elle est enceinte? On était où il y a 2 semaines? À Boys? Je me rappelle qu'elle a vomi à Kenwick. Ça fait trop. Mais ça colle. Les vomissements, la fatigue. Sérieusement, Dina, pourquoi tu m'as rien dit? Tu me fais pas confiance? En même temps, est-ce que je lui fais confiance, moi? Qu'est-ce que je fais? Trop tard pour faire demi-tour. Il faut que j'en finisse avec cette merde le plus vite possible. Mort au wolf, voilà. Ok, le Ruston Coffee. Qu'est-ce que tu nous caches, petit Ruston Coffee? C'est fermé. Là, y'a rien du tout. Les chiottes, y'a toujours des trucs cool dans les chiottes. Du papier, voilà. Du PQ, quoi. Sors par là. Ok. Oh. Quoi ici? Caroline Pepper & Co. Ah, j'ai pas quelque chose à balancer. Ouais, une petite brique, c'est bien. Paf. Ok, je peux pas la ramasser la brique une fois que j'ai lancé. Ah, je crois pas. Hein. Une fois que c'est lancé, hein. En vrai, je devrais pouvoir la récupérer. Oh, des cachets. Des balles de pompe. Yes. J'ai de balles de pompe. Et des pilules. Ah, j'ai 8 balles de pompe, ce qui est plutôt pas mal. On a bien fait de venir ici. Ah bah, il y a une autre brique ici, donc c'est magnifique. Je crois qu'on peut repartir d'où on vient. Bon, on est pas mal, on est passé à 7 balles. Waouh, t'énerve pas. Je vais recharger, tiens. Ok, donc là, de toute façon, on peut pas passer, donc on va passer par le Ruston Coffee. On va aller là. Hop là. Et là, on a une échelle. Parfait. Bon, pour l'instant, c'est plutôt calme, à part la voiture de patrouille qu'on a vue. On va sauter là. C'est trop con, on devrait foncer dans le tas. On sécurise le périmètre. Wow. On n'a pas d'autres ordres. Ouvre l'œil, au cas où il se pointerait. Merde. Ils ont un chien. Putain, c'est la loose. Hein. Elle a un bon réflexe, hein. Ah ouais, regardez, il a ma piste. Si c'est pas le cas, c'est une putain de coïncidence. Je déteste ces petits groupes. Avec les grands chiens, on peut se... Chien, il arrive. Mais là, ils peuvent se cacher n'importe où. C'est clair. On le trouve. Et après, on rentre. Oh putain! Ça venait de cette direction! Merde, 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 merde! Waouh, waouh! Wow, ok, ok. Rattrape-la! Eh ouais, mon gars, ton chien est cané. Oh, c'est trop bien fait comme il a dit. Oh putain! Allez, viens là, vas-y, vas-y. Mets ta tête, mets ta tête. Wow. Oh. Ok. Merde. Ah, on est grillé là, on est grillé. Ah, vous voulez jouer là? On va jouer, on va jouer. Regardez, elle est là, là. Mais c'est bon. Elle crame. Eh ouais, t'as qu'à pas te cacher. Merde, putain, je savais pas que l'autre allait me tirer dessus de là-bas. Allez, viens, mets ta petite tête. Wow. Purée. Ah, c'est chaud. Oh, le chien. Oh, oh. Désolé. Oh là là, c'est violent, les gars. Là c'est... On est sur de la violence de ouf. J'avoue, on a pas fait dans la dentelle là, j'avoue. Mais bon, finalement, à quoi bon? Côté silencieux. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, regarde, il pense que je suis là-bas, ça c'est parfait.
Purée. Oh, l'hôtel, c'est trop bien fait parce que elle crie. Je vais ôter le silencieux. Elle crie parce que son chien il est mort, tu vois. C'est trop bien fait. Casey, fais le tour. Bam. Wow. Oh, ok, j'avoue, je fais des dingueries. Ah ouais, et il y a les DDA. Mais j'aime bien jouer en mode comme ça, un peu bourrin, tu vois. Lors de ma première partie, j'étais plutôt discret. Mais franchement, le gameplay est jouissif, les gars, quand tu joues un peu bourrin, tu vois. Les scènes et tout, ouais. Bon, là, je me fais vraiment griller. Mais je crois qu'il va pas me voir si je rampe comme ça. Normalement. Est-ce qu'il y en a un dans le bâtiment ? Cette putain de rue ! Non, c'est bon. Faut pas qu'elle s'échappe. Ok. Ok, il y en a un là. En plus, il y a grave du monde, hein. Tiens, je vais faire ça. Tac. Je vais remettre le silencieux. Boum. Boum boum mon gars. Bah ouais, c'est ça qu'on veut. Tu sais pas toi. Et je pense que lui, tu vois, on va pouvoir le fumer. Oh purée, ce qu'il s'est mangé. Le pauvre. Je sais pas s'ils sont tous morts, mais en tout cas, okay. On est un petit peu plus tranquille. Ouais, je crois qu'ils sont morts. La musique se calme. Je pensais pas que ça allait partir en couille comme ça, je vous le dis. Mais bon, c'est pas très grave. Ah, je suis plein en fusil à pompe. Oh, bah, voyons, tranquille. Elle est belle la vie. Avec tout ce que j'ai tiré. En plus, je me rends compte que quand même, t'as suffisamment de munitions pour te la jouer un peu bourrin, tu vois. Enfin, si t'as envie, après, vraiment, ce qui est cool dans le jeu, c'est que tu peux à la fois te faire les missions vraiment en mode discrétion, personne te grille, machin et tout. Que en mode voilà, tu balances des cocktails, tu t'enflammes tout le monde, tu balances des pièges. Oh, un coffre fort. La dernière fois qu'on en a vu un, on a trouvé notre fusil à pompe justement. Alors je refais un petit peu le tour parce que je me dis que j'ai peut-être loupé des trucs là dans la bataille. Et en fait c'est plutôt clean. Ah, c'est là où on est tombé d'ailleurs. Ok. Tac. Oh, je crois qu'on peut. Je sais pas si on peut monter sur le toit là. Non. Ce serait bizarre. Quoique. Qu'est-ce qu'on a? Rien ici. Là, je crois qu'il y a un petit truc. Non. Que dalle. Très bien. Alors, on repasse par là. Bouteille. On a déjà tout ce qu'il faut. Ah, c'est une banque, c'est pour ça qu'il y avait un coffre-fort. Logique, me diras-tu, logique. Waouh, il est bien pourri cet endroit. Il a été cramé en fait. Ouais, on dirait, hein. Ok. Je sais pas combien de gars on a tué en fait, on les a tués super vite. Ils sont tous ramenés et du coup ils sont tous morts. Attends, là c'est magasin de poissons, donc je crois que on a déjà été dedans. Ce que j'aime bien, c'est quand elle met des coups aussi de, tu sais, des coups de batte de baseball. Là c'est vraiment un truc bien violent. Quand elle a une batte modifiée là. Bon, bah, je crois, écoutez, on a. En fait, je sais plus où se trouvent les améliorations, donc je cherche un peu là, mais. Ça doit pas être là. Hein. Je peux avancer. Allez. Bon, allez, ferme la porte, mais t'inquiète. Y'a plus personne derrière toi. Voilà, sois tranquille. On a fumé tout le monde. Ok. On continue à avancer dans Hillcrest. Oh.
WLF. On va avoir besoin de ça, hein. Les fameuses poubelles. Ça, c'était vraiment une composante du 1 là, c'était un truc de ouf. Ça rappelle des souvenirs. Ah, le problème c'est que c'est en pente, donc comment tu fais là? Comment tu fais, Ellie? C'est quoi le projet là? Oh, je peux pas. Comment tu fais? Ah bah déjà il y a des boulons, voilà, je me disais. On a bien fait de revenir ici. Franchement, je me souviens plus. Voilà. Je me souviens plus comment on fait. Bah, je crois qu'on va le mettre là-bas en fait. Je crois qu'on va mettre la poubelle sur le côté, ça sera peut-être mieux. Waouh. En vrai, elle pourrait faire une traction, tu vois. En vrai. Là, ça va le faire. Hop là, voilà, c'est bon. Ça a marché. Ouais, ça a marché, ouais. Oh, un établi. Ok. Et on a une lettre ici. Qu'est-ce que c'est ? Boris, je suis vraiment désolé, c'est horrible, ce que les Wolves ont fait à Sophia. Je ne peux pas m'empêcher de me sentir responsable. J'ai poussé tout le monde à tenir tête aux Wolves quand elle s'est mise à peindre par-dessus leurs règles. J'aurais dû faire plus pour l'en dissuader. Je ne t'ai rien dit, je pensais qu'elle arrêterait. Je sais que tu veux te venger des Wolves, tu peux me croire, moi aussi, j'en meurs d'envie, mais c'est impossible. Pas maintenant. Il faut qu'on soit plus malin, qu'on laisse les choses se tasser un petit peu. Les gens vont se tourner vers toi pour savoir comment réagir. Après l'épidémie, tu étais considéré comme un chef ici. Il faut que tu reviennes à ce chef. Sinon, tous nos efforts n'auront servi à rien. Signé Uli. Un petit peu de santé. Je suis pas sûr d'avoir suffisamment de boulons pour améliorer quelque chose, mais... On va regarder. Ah ouais, peut-être le... Allez, peut-être le pompe. Cadence de tir, stabilité. Allez. Voilà. Le petit pompe est quand même une arme très très cool. À courte portée. Allez, ça c'est bien modifié ça. Bravo Ellie. J'aime trop le détail où elle appuie sur la multiprise quoi. C'est un truc ouf. Tu sais, ça aurait pu être comme dans la plupart des jeux où tu fais une amélioration, bim, t'ouvres le menu, paf, t'appuies, c'est fini. Tu vois, non, là, elle se pose à un établi, elle allume la multiprise. Elle modifie son arme, clac clac clac, elle prend les tournevis. Non, franchement, les gars, c'est une dinguerie en vrai. Ok. Gold Star Liquor. Mm-hmm. Je vous attends, enfoiré. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on a dans ce magasin? Bon, à part de l'alcool, on a compris, hein. À le comptoir, il y a peut-être un peu de pognon. Bah, des balles, voilà. Je vais recharger parce que je suis à sec. Ouh, ça descend. Pourquoi il y a des... Pourquoi on entend des mouches, là? Ah, je suis une santé pleine, ok. Waouh, waouh, waouh. Merde. Ah, super. Je vais sortir le pompe, les gars, là. Pas vous mentir. Oh merde, et puis fallait que ma lampe elle s'éteigne. Super. J'ai quoi? J'ai des pièges. Ouais, j'ai des bombes. En vrai, je pourrais les attirer. En vrai, je devrais les attirer. Waouh, 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 recule, recule, frérot. Allez, viens là.
Il va se manger là. Wow, 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 j'avais pas vu. Purée. J'espère qu'il y en a pas d'autres. Ok, il y en a d'autres, il y en a d'autres. Wow, wow. Recharge, recharge. Waouh. Attention, il va exploser. Oh. Purée. Eh ben, oh, regardez-moi ces cordyceps ticulas. Ça change aussi des, tu sais, des jeux de zombies avec juste des zombies. Ça pue. Ah, c'est dégueulasse. J'ai horreur des puants. J'imagine que ça sentir la mort, mon gars, mais un truc ouf. Là, tu vois, c'est des zombies, mais avec ce côté champignon dégueulasse, là. C'est trop bien fait. C'est une super idée, je trouve. Oh. Tout petit cafard. Bon, on est plus à ça près, une fois que t'as vu des... Vous avez 55 stimulants. Ouais, il est temps de... Bon, on va sortir de là et après, on va... On va aller améliorer Ellie. Ah d'accord, ouais, ok, on peut ressortir par là aussi. Hop là. Une petite boutique de jouets, c'est trop mignon. Ah non, c'est pas... C'est quoi, c'est une crèche? Ah ouais, c'est une crèche en fait. Regardez avec les petits tapis, les petits coussins et tout. Oh, ça me fait penser à ma poulette. Eh, hey, on a trouvé un manuel, les gars. Allez. Le chasseur moderne. 15 unités de fusil de chasse en test. 10 choses à savoir avant de dépecer un cerf. La bonne occasion. Ou déniger des offres. Ou dénicher des offres incroyables sur les couteaux, appareils photo, lunettes de vision nocturne et autres équipements. Magnifique, puisque du coup, on a débloqué une nouvelle branche d'amélioration qui s'appelle Précision. Voilà, qui vient d'apparaître juste ici. Stabilité de l'arme. Et bah voilà. Bam! Vitesse de déplacement visant. Oh, c'est stylé cette branche là. Bah, c'est quand même pas mal la branche précision. Alors, c'est vrai que cette branche là, on l'a fait à fond. Donc, on continue. Oh là, ce que j'aime ce jeu, les gars, c'est un truc de ouf. Et ben, on peut redescendre. Hein. Et paf! C'est où j'ai entendu? Oui, j'ai entendu quelqu'un, oui. Mais c'est pas un quelqu'un, c'est un. Ouais, c'est un. Je crée un silencieux, tiens. C'est pas un quelqu'un, c'est un zombie. Il est tout seul? Bon, il a l'air d'être tout seul pour le moment. Je vais essayer d'aller choper. Merde. Putain, il a une pote là. Oh ouais, il est rentré. Viens là, mon gars, viens là. Putain, il va me voir, arrête de bouger. Arrête de bouger, c'est pas vrai. Viens là. Ah. Et toi, t'es mort. Toi, t'es cuit déjà. Y'a ta pote dehors, là. Y'a ta meuf. Ah, imaginez, c'était peut-être un couple, on sait pas. Non, je vais pas lire la lettre tout de suite. J'ai vu qu'il y a une lettre, mais... On va y aller tranquillou. Ah, c'était un salon de coiffure ici. Elle est où, la nana? Ah, elle est là-bas. Elle est là. Ok, elle m'a pas cramé. Elle m'a pas cramé, mais là. Bam! Ah. La violence! Allez, faut pas se déconcentrer. T'as raison, Ellie. Faut grimper là-haut. Ah, ça me rappelle quelque chose ce truc. Ouais, j'ai un petit souvenir assez sympa. Voilà, vous voyez ce qu'il y a dedans là, toutes ces tâches? Bah ouais. Donc là, vous voyez, on va faire quoi? On va mettre un petit piège au cas où. On va le poser là. Voilà. Et nous, ce qu'on va faire, on va balancer. Alors, ça c'est abusé que je me suis pris en pleine gueule le... Merde, putain. Merde. Je me suis pris en pleine gueule mon propre piège. T'es sérieux là? Vous foutez de moi? Sans déconner.
Je me prends la tête à faire une petite stratégie. Pourquoi il y avait plein de gens là-dedans là ? Je me prends la tête à faire une stratégie, à mettre un petit piège, et en l'ouvrant, je crois que c'est peut-être la porte qui a déclenché le piège, je sais pas, il y a un truc comme ça. Bref, pourquoi il y avait autant de gens là-dedans, me diriez-vous ? Ils étaient enfermés ici depuis des années. Ah ouais, ils se sont développés de ouf, c'est immonde. Ah, il y a un coffre-fort, donc il va falloir essayer de trouver le code. Oh, regardez comment ça... Comment ils se sont développés comme ça fait des années, tu vois. C'est immonde. Ok. Ça va les coups de rentrer quand même. Tu vois. Des boulons, des balles. Et espérons le code du coffre. Espérons. Il y a écrit quoi là ? Ok. Ok. Je me suis peut-être dit que le code du coffre allait peut-être être, tu vois, écrit. Je vais me construire une petite bombe. Voilà. Bah écoute, pour l'instant, je vois pas de code. Alors, il se peut qu'on trouve le code aussi sur dans un autre endroit. Hein. Ça, c'est possible. D'ailleurs, on avait un papier qu'on devait lire, donc... On va retourner, je crois que c'était là-dedans. Ouais, c'était là. Possible qu'il soit là. Hein. Oui, Uli, tu sais que nos cœurs resteront jamais à Ilkres, mais après la mort de Sophie, on a décidé de se rendre au stade avec les autres. On pense d'abord à nos enfants, la famille Brandam. On a croisé Boris il y a quelques heures, on a essayé de lui parler, mais il avait l'air bizarre. Tu devrais aller le voir. J'espère que vous nous rejoindrez. Bon, pas de code là-dessus. Un vrai salon de tatouage. Ah, d'accord, c'est un salon de tatouage. Bah oui, c'est vrai, c'est pas un salon de... Non, mais j'ai vu les fauteuils, je crois que c'était un salon de coiffure. Mais j'avoue, il n'y avait pas de miroir, donc c'est un peu chelou. Ouais, plutôt salon de tatouage, du coup. Hein. Ok. Je vais refaire un petit soin. Voilà. Comment je fais pour atteindre l'escalier ? Ouais, donc nous, faut qu'on se rende là-bas. Mais avant de partir, j'aimerais vraiment trouver le code du coffre. Chope ça, voilà. Aller là-dedans. Oula, si elle sort son gun, c'est que elle a entendu des trucs, elle. Hein. Ah, j'entends des petits grognements là au loin là. Je sais pas où ils sont. Ils sont pas dans cette pièce, mais ils sont. Je pense qu'ils sont pas loin. Merde. Attends. Est-ce que j'ai le temps de lire? Putain, j'ai pas le temps de lire, attends, ça me fait flipper là. J'entends des bruits derrière moi, je peux pas rester comme ça. Il se passe quoi là? Waouh, super. Merde. Est-ce que je peux le... Ouais, je peux le cut ou quoi lui? Ouh. Ouais, je peux pas du tout le cut. Merde, mais il est ultra résistant. Et merde. Merde. Wouah. Purée. Purée Ellie. Merde. Bam. Oh. La tête qui explose. Ok. J'avoue, il m'a surpris le gros balèze. En fait, je pensais que je pouvais le... Non, mais je peux pas le cut les mecs comme ça, je crois pas. Hein. Je crois pas que je puisse tuer discrètement les gros puants. Hein. Ça serait un peu chelou. J'étais tranquillement en train de lire un truc. Et on est venu nous déranger, c'est quand même pas cool. Ah, du coup, le papier, ouais, je l'ai pas. Je crois qu'elle l'a rangé en fait. Attends, on va regarder dans les notes. C'est ça, c'était Boris, je l'ai vu abattre cette patrouille du Wolf au pied de leur fourgon. Bon sang, je sais bien qu'ils ont tué sa fille, mais là, il vient de signer notre arrêt de mort. Notre seule chance de nous en tirer, c'est de le livrer.
Je sais que c'est ton ami, mais si les Wolves ont tué cette fille à cause de ses graffitis, imagine un peu ce qu'ils nous feront. À tous, s'ils pensent qu'on cache le type qui a tué 3 des leurs. Retrouve-moi à l'endroit habituel après le couvre-feu. Eh ouais. Ah ouais, à la base, je pense qu'on était censé rentrer là-dedans. Ouais, je me souviens de cette scène. On rentre, en fait, il y a un puant. Bah là, c'est le puant qui est venu à moi. Salut Dave. Dave va passer te demander le code du coffre, mais accompagne-le plutôt au garage et ouvre-lui toi-même. Sinon, il va te reposer 8 fois la question. Le code, c'est 30 82 65. C'est bon, les gars. On a le code, donc 30 82 65. Faudrait parler à sa femme, je sais qu'elle a envie de croire que ça va s'arranger. Mais il est temps d'accepter la réalité. Il paraît que le WLF a des vrais docteurs dans sa base. Personne lui en voudra si elle parlait. Sauf Boris, mais c'est un con. 30 82 65, on retourne de ce pas au coffre. Allez, tac. Ok, alors. C'est parti pour le code. 65 et ça fonctionne. J'ai cru à un moment donné que j'avais loupé l'endroit. Alors qu'est-ce qu'on a? Oh, un petit étui et ça c'est vraiment stylé. Alors c'est un étui d'arme longue je crois parce qu'on a déjà l'étui ouais, étui d'arme longue. Très stylé. Donc maintenant on va pouvoir changer entre le fusil à pompe et le fusil instantanément sans avoir à s'asseoir etc. Donc ça c'est vraiment un game changer les gars quand t'es dans le stress et que tu dois changer rapidement. Je vais recharger. Ah j'ai que 3 munitions tu vois c'est dommage. Je pense pas que je puisse. Non. Il n'y a pas d'établi donc tant pis. Bah, je vais devoir laisser les balles derrière moi. Je vais recharger mon petit gun. Pareil pour le revolver. Et je pense qu'on a tout trouvé. On peut se barrer d'ici. Allez, on passe par la porte. On est du côté des escaliers, donc ça c'est nickel. Oh, waouh. C'est bien dégueulasse ça. Hein. Des petites flèches, et bah nickel. Sauf que bah on n'a pas d'arc. Mais bon, on les prend quand même. Ah, c'est bien fait en plus, elle les met dans son sac, vous voyez. Ça dépasse, c'est trop stylé. Ouh. Wow. C'était quoi? Waouh, ok. Ça, c'est une grosse explosion. Oh. Oh merde. J'espère que c'est toi qui as fait ça, Tommy. Ah ouais. Ok, il y a de l'ambiance par là-bas, les gars. Oula, on n'est pas seul, on n'est pas seul. Oh, y en a un là-bas. Y en a un là. On va essayer de le choper par derrière, lui là. Te retourne pas, te retourne pas. Te retourne pas. Ouh. C'était chaud. Ok, y'a là toi. Y'a là mon copain. Oh, regardez sa tête. Oh, la tête d'Eli, comment elle est vénère. C'est trop bien fait. Il est où le deuxième? Attends, je dis deux, mais ça se trouve y'en a plus que ça. Ok, elle est là-bas. Oula, oula, oula. Ok, ok. Ok, madame. Dommage que j'ai pas. Dark là, ça aurait été assez cool. Ah, y'en a même trois là. Ouh, ok. Oula oula, non c'est pas bon ça, c'est pas bon ce que je fais. C'est pas bon ce que je fais. Derrière moi. Derrière moi. Wow. Yes. Tout va bien. Qu'est-ce qu'on a dans cette maison qui a été complètement cramée? Pas grand chose hein, on dirait. Ok. Dans celle-ci, on peut pas y rentrer, les fenêtres sont bloquées. Un petit barbecue, les gars? Un petit barbecue de zombies? Le meilleur moyen de finir contaminé. Sauf pour Ellie, qui peut se faire du coup des barbecues de zombies sans craindre de se transformer. Ce qui est plutôt pas mal. Allez, on va aller en direction de la fumée là. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Petit jacuzzi. Oh, la couleur de l'eau. Non merci.
c'est trop mignon. J'ai une peluche. Je ne veux pas savoir ce qui s'est passé. On va rentrer ici. Waouh. Qu'est-ce qu'on a? Une lettre? Un mot? J'adore les gens qui laissent des mots comme ça tout le temps, partout. Yolanda, je suis désolé, je ne pourrai plus m'occuper d'Alfie. Tu as raison au sujet des wolves. Finalement, ils sont encore pires que l'armée. Je ne m'attendais pas à ce que nos propres voisins se liguent contre l'un des leurs. Ils ont tous vu ce que les wolves ont fait à ma pauvre Sophia. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire après ça? Calmez le jeu. C'était mon droit de faire couler le sang des wolves. Ils auraient dû se joindre à moi. Au lieu de ça, ils ont comploté contre moi. Alors, j'ai pris les devants. Qu'est-ce que tu as fait? Je les ai empoisonnés, les uns après les autres. Pas assez pour les tuer, juste de quoi les endormir. Ensuite, je les ai traînés dans un garage rempli de spores. Bon, bah voilà, on sait qui étaient les gens dans le garage, hein, où on a trouvé les tuyaux d'armes. Ulysse s'est réveillé et on s'est battu. J'ai réussi à l'enfermer, mais il m'a mordu. Ah, dommage. Ces traîtres pourront assister à leur transformation. Ils vont souffrir. J'espère qu'ils penseront à moi quand ils commenceront à sombrer. Moi, ça a déjà commencé. J'en ai plus pour longtemps. J'espère que tu as trouvé un endroit où vivre en paix, loin de cette ville pourrie, et que tu ne verras jamais tout ça. Si jamais tu reviens, pardonne-moi. Signé Boris. Putain, le mec il a empoisonné ses voisins. Non, c'est trop... Quel enfer. Solde, je crois qu'il y a écrit solde d'automne. Dès aujourd'hui, profitez d'offres exceptionnelles chez Rosemont. 25% de réduction sur tous vos achats sur remis de ce coupon. C'est rigolo quand même de voir un petit peu, bah ouais... Comment tout ça maintenant est devenu inutile dans ce monde, les soldes, l'argent, le système économique. Plus rien ne compte, mon gars. Plus rien ne compte. Ah, je crois qu'il y a un petit tiroir ici qu'on peut ouvrir, un petit placard. Oh. Petite bouteille d'alcool. Oh yeah. Alcool à brûler, hein, je vous rassure. Allez. On continue. Oh wow! Oh putain, j'avais oublié ça! Ah la vache! Wow, wow! 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 Oh, j'ai cru que j'allais avoir une attaque! Oh mec! J'avais oublié ces jumpscares là comme ça, là. Il n'y en a pas beaucoup, mais justement, elles te surprennent. Oh, regardez cette tête! Il a quelque chose sur lui! Ah, c'est bien accroché. Ouh. Ouais, ça va le faire. Joli. Et hé, flèche confection débloquée. Trop bien. Donc on va se faire des flèches parce que c'est quand même une arme très stylée. Est-ce que franchement c'est l'apocalypse les gars? Vous êtes dans le monde d'Eli. Vous trouvez un arc. Vous le prenez genre vraiment comme une arme? Ou vous dites... Ouais, c'est chaud. À moins que vous fassiez du tir à l'arc. Mais moi, j'hésiterais, tu vois, parce que c'est comme encombrant. Mais j'avoue, si tu sais l'utiliser, ça peut être une dinguerie en vrai, tu vois. Donc, on est à fond en balle de fusil, de toute façon, donc je pourrais pas faire plus. Mais voilà, le petit arc. Allez. Ça, c'est trop bien, ça. On va sortir du garage. Oh. C'est pas con comme façon d'utiliser les mannequins. Donc j'imagine que ce type, ça devait être, tu sais, le meilleur archer de Hillcrest. Ah ouais, ça fait mal. Hein. Tout déplacement réduit la puissance de l'arc, restez immobile pendant que vous chargez. Et puis c'est trop bien, tu peux récupérer les flèches. Bam. J'assure toujours. Vous pouvez parfois récupérer votre flèche après un tir dans la tête. Hein. Ah, après un tir dans la tête, ok. Donc il faut bien viser la tête. Pour pouvoir récupérer notre flèche sur le corps du type. Allez, on y va. Ok. Hey, on a un autre intrus. C'est une fille. Est-ce que tu l'as vue? Je sais pas, mais l'autre est pas loin. Ah merde! On cherche deux intrus! C'est quoi toute cette fumée? Il a fait sauter un de nos camions. Et comment c'est possible? Contente-toi de les retrouver. Trouvez-moi ces putains d'intrus, ok? Ok, pas de problème, mon petit gars. Oula, lui il a regardé par là-bas. Je pense que ça va être le moment d'utiliser l'arc.
Ouais, il ressort. Attends, on va essayer de l'avoir à l'arc. Oula, c'est qui me voit? Je sais pas c'est qui. Bam. Ouh, il l'a pris en pleine gorge. Désolé le chien, mais faut que je te tue. Oh, genre il est triste, son maître, il est mort, tu vois. C'est trop bien fait. Ok. Ah, attends, il y a une petite brique là. Ça, c'est utile. Voilà. Je vais récupérer les flèches. Tac, tac. Attends, la petite flèche. Voilà. Oh, il avait même des munitions sur lui. C'est parfait. Je crois qu'il y en a une qui est partie dans la maison, non? On va aller voir. Je vais changer d'arme. Je vais mettre le pompe au cas où, là. Parce que si je tombe nez à nez avec eux, ça va être un petit peu chaud. Oh, magnifique. Il y a l'air d'avoir personne dans la maison. Waouh. Là je les entends, ils sont pas loin. Ils sont pas loin. Oh, il est juste là. Ok. Il est juste là. Ouh là là, il arrive. Il arrive. Il se méfie de rien du tout en plus. Putain, par contre il est un peu loin. Il est un peu loin. Allez, désolé mon petit gars. Ferme ta gueule. C'est trop bien fait. Oh mon dieu. Bien joué Ellie, bien joué. Hop là. Des fois ils avancent à deux, en plus j'entends quelqu'un d'autre, tu vois. J'entends des pas. Putain, j'entends des pas mais je sais pas où c'est. C'est stressant. Hop là. Ok, on va aller là. Ah ouais, il y a du monde en fait. Hein. Attends, lui je peux pas l'avoir à l'arc là. Ah, ce serait parfait. Merde, attends, il y a quelqu'un d'autre qui me grille. Waouh, merde. Près de la barrière. Vite, recharge. Pars-toi, pars-toi, pars-toi. Hop. Ok, ok. Ok. Ouh, c'est chaud. Ils sont en train de tous réappliquer, je pense. Ça serait logique. Ouais, ils sont tous en train de réappliquer. Regarde, regarde, ils sont tous là-bas. Oh purée, elle, ça serait parfait là par la fenêtre là. Ouh. Oh magnifique. À travers la fenêtre, ça c'est beau. Il y a un chien là. Faire gaffe. Ah, il va trop vite. Il va trop vite, il va trop vite. Il est là. Purée. Allez, bam. Oh. Là, 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 attention, là, là, il faut commencer à me griller, là. Allez, viens, mon petit, viens. Viens, viens, vas-y, rentre. Rentre, mon gars. Rentre, mon gars. Ouah, il y a du monde, là, qui arrive. Ah, ouais, il y a du monde qui arrive. Waouh. Waouh, 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 waouh. Wow. Oh. Oh, c'est chaud là. C'est chaud là, c'est chaud. Oh, wow, wow. Ah, je savais pas qu'il allait m'attaquer comme ça. Ah, oh, oui, il est vénère. Lève-toi, lève-toi. Elle est là. Wow, wow, wow. Oh. Au secours. Au secours. Oh. Y'a trop de chiens. Y'a trop de chiens. Oh purée. Ouh. Ouah, ils sont partout. C'est un truc de ouf. C'est pour me soigner. Il est parti où les gars? Il est parti où le gars? Il est là. Oh, sa tête elle a explosé. Ah, viens là mon petit gars. Ah ouais mon gars. Tu vas venir me chercher, tu vas voir. Son pote il est là. Son pote il est là. Lui il va se prendre une petite balle, tu vas voir. Allez, sort ta tête. Juste ici. Comment ça juste ici? Qui m'a grillé? Ah c'est lui là, hein. Je pense qu'il est tout seul, non? Attends, on va vérifier quand même. Utilise ton sort d'araignée Ellie. C'est bon. Sur sa tronche, je peux lui lancer sur sa tronche, quoi.
Ouh, il y a encore des gens, il y a encore des gens. J'ai entendu quelqu'un crier là. Ah, il y a quelqu'un là-haut. Ah, je l'avais même pas vu. Il y a quelqu'un là-haut. Ouh là 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 là. Ok, fusil. C'est un peu dangereux de sortir comme ça. On va faire le tour, on va faire le tour, les gars. Vous inquiétez pas. Hop là. Ils sont malins, ils vont essayer de m'encercler, ces escrocs là. Eh oui, elle est partie. Elle est partie. Ah, c'est elle là. Bam. Ok. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Il faut juste un petit peu plus de munitions parce que comme là on tire pas mal. Faut juste que je retombe sur les cadavres. Ah non, tu la vois pas, tous tes potes ils sont morts, t'inquiète même pas. C'est ton tour qui arrive. Elle est pas très loin. Il est chaud ce moment. Ce moment est chaud. Hein. Attends. Je crois qu'elle est là-bas. Ouais, elle est là-bas. On va rentrer dans la maison. Je vais changer d'arme. Hop, je prends le pompe. On sait jamais si elle est face à moi. Je lui explose la tronche. Je crois qu'elle est là-bas. Elle s'attend pas à me voir ici en fait. Ah, elle s'y attend pas. Elle s'y entend pas du tout. Eh ouais, petite dame. Réveille-toi, t'es morte. Désolé. Je pense que c'est bon. Normalement. C'était un truc de ouf. Plein. Non, c'est bizarre qu'on soit plein là-dessus. Attends, je peux recharger peut-être. Ah ouais, je suis plein. Je suis plein de plein. Plein de balles de fusil. Il faut que j'augmente la capacité. Alors, ce qui est bizarre, c'est que là. La musique se calme pas. Ce qui me fait penser qu'il y a encore des. Au moins une personne quelque part. Une personne qui aurait pas été alertée par tous ces tirs. C'est un peu étonnant. Mais bon. J'entends quelqu'un là. J'entends quelqu'un. Putain, ça me stresse. Putain, j'entends quand même quelqu'un qui marche. Je vais refaire un silencieux. Ok. Je pense qu'il y a vraiment encore quelqu'un. Hein. Attends, je vais vraiment prendre le pont parce que ça me fait flipper cette histoire. Au moins si je dois dégainer, tu vois. Peut-être qu'il est... Oh! Voilà ce que je disais. Oh la vache! Oh la vache! Oh, ça dégouline le long du mur, mais c'est immonde. Ouh, je pense qu'on les a tous eus. Ils étaient combien là-dedans, là? C'était un truc de ouf. Je pense qu'on les a tous eus. Hein. Franchement, là, c'est pas possible. J'ai pas compté le nombre de meurtres, mais c'est énorme. On a bien utilisé nos balles, en tout cas. Là, c'est sûr que là... Pas de problème. Et je crois que je me rappelle, j'avais pas mal galéré la première fois que j'avais été à cet endroit-là. Je m'attendais pas à avoir autant de résistance. La maison est immense en plus, là. Ok. Ah, c'est un des endroits d'ailleurs que tu peux faire dans le mode No Return. Parce que c'est un endroit où tu peux te cacher un petit peu partout et tout. Pas mal de possibilités, c'est cool. Est-ce que je peux créer un truc? Ouais, une petite machette, allez, let's go. J'aime trop la machette. D'accord, ça fait le tour comme ça. Waouh. Ok. Il y avait une nana sur le toit aussi, elle est sortie comment? Elle est sortie par là? Ah ouais, c'est ça en fait. C'est elle là. Elle est ma surprise. Elle avait un fusil. Yut! Ouais, je tape des sauts un petit peu improbables. Attends, je crois que la suite c'est par là, mais j'ai envie de... Oula! Encore des gens là? Là, il y a encore des gens, je crois, mais... Ah ouais, plus bas. Waouh, c'est pas fini, hein. Quand on va descendre, il va encore y avoir des gens. Donc, avant d'y aller, on va aller faire un tour dans les petits baraquements, là. Voilà, genre ici, là, tu vois, on n'a pas été dans cette maison. Clac, on récupère des trucs. Ouais, super important. Là, par contre, j'ai plus beaucoup de balles. Normal. Normal, normal. Allez, je pense qu'on peut y aller. Bon, je vais pas courir comme un dératé comme ça, bien sûr, je vous rassure. On va se calmer un petit peu. Et je vais prendre le fusil, du coup, comme j'ai pas mal de balles.
Ah là, lui il avait une flèche effectivement. Oh, j'ai le fusil mais j'ai les flèches aussi. Hein. Ce qui est cool c'est qu'on peut en confectionner des flèches, donc ça c'est trop bien. Alors ils sont où? Ils sont où les petits gars là? Je les avais vus et là je les vois plus, c'est bizarre. Oula, ok. Ok, il y en a un là. Putain, il est où? Attends, il y a le chien là. Son maître, il est où? C'est bizarre ça, je l'ai vu mais je vois plus. Waouh. Il est re-rentré dans la maison? Putain, c'est bizarre. C'est carrément chelou. Je crois qu'il est dans la maison. Ça ne m'arrange pas trop du coup. Ah ouais, il est là. Tac. Il est là ? Ah ouais, il est là. Oula là 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 là. Ok, ok. Ressort, ressort. Ah. T'as fait du bruit avec le verre en plus. Ok, il ressort de la baraque. Qu'est-ce que tu sens? Ah, il a pisté une. Ah, en plus, le chien là. Attends, ici, là. Merde! Oh, il m'a vu à travers la fenêtre. Putain, le chien arrive. Quoi? Wow, t'es sérieux là? Non! Waouh! Désolé chien, coup de machette. Wow, c'est chaud là, je m'attendais pas à ce que ça. Je m'attendais à un truc. Ça allait bien se passer. Ok. Waouh. Oh, ils sont grave nombreux en fait. Ok. Putain, c'est la merde là. Ok, lève-toi. Il y a Rob, il est là. Rob, il est de l'autre côté. Rob, il veut me tuer. Waouh. Recharge, vite. Wow, c'est chaud pour ma gueule. Putain, il est où? C'est chaud pour ma gueule les gars. C'est chaud, j'ai qu'une balle dans le revolver. Et je la loupe en plus. Oh mon dieu. Tu vas voir mon petit gars, le fusil à pompe, ce qu'il va te faire. Tu vas rien comprendre. Waouh. Ouais, là j'ai vraiment fait de la merde les gars, là on peut le dire, franchement. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Je pensais qu'ils étaient un ou deux. Mais genre, ils commencent à sortir par les fenêtres et tout. Non, c'est trop. Ok. Bon, tout va bien. On est en vie. Et vous savez quoi? C'est le principal, les gars. Et c'est la survie. C'est comme ça que ça se passe. On n'est pas des super-héros. Waouh. C'est quand même très stylé. Hein. Hop là. Allez, on va créer un petit kit médical tranquille. Hein. Même pas qu'un, je pense. Je crois qu'on peut en faire 3. Ouais, on peut se refaire. Ça fait plaisir. Hop, on se soigne. Il y a des petits soins. Ici. Hop. Parfait. Un petit kiosque. Et je crois que c'est par là. Ah, ils savent qu'on a utilisé des balles, hein. Ils nous ordonnent volontiers. Ah, je suis plein, ok. J'aurais même pu passer par là en fait, hein. Et tuer personne, tu vois. Mais bon, on est aussi là pour tuer du wolf, hein. On est là pour la vengeance, les gars, faut pas l'oublier. Hein. On n'est pas là pour faire du tourisme. Yeah. Waouh. Allons voir ce côté. Et c'est pas fini. Tiens, regarde là. Bah ouais mon gars, vous brûlez tous en enfer. Les pauvres, ils ont sauté une barrière, ils ont brûlé, ils ont dû rien comprendre. Les renforts arrivent, vous mettez lui la pression. Super. Ça me fait une belle jambe. Je vais recharger mon gun. Ah ouais, ils sont en train d'arriver. Je prends mon petit arc. Bam. Le chien il va m'attaquer. Désolé petit chien.
J'aime pas tuer les animaux, mais vraiment. Là, j'ai pas le choix. Attends, vous attendez, ils sont en train de gueuler là. Il se passe des trucs. Il se passe des trucs. Tommy, bouge pas. Purée. Faut se dépêcher. S'ils ont attrapé Tommy. Waouh! Ah, le chien, Satan, le chien! Ici, là! Oh! Au secours! Ok. Eh merde! Bah ouais, mon gars! Attention à vous! On se réveille! Oh! Il va balancer une. Il va balancer une bombe! Oh, c'est un oiseau! Quoi? Attends! Qu'est-ce qui vient de se passer là? Attends, je rêve où il a. Attends, c'était quoi ça? Où il a mis un leurre ici là? Parce que si c'est un leurre, ça a grave bien marché. J'ai cru que c'était vraiment une tête, c'est grave bien fait. Et le mec il avait fait le tour. Non. Je vais me soigner. Ah, c'est vraiment un moment tendu du jeu là. Tout le monde est sur tes côtes, ça n'arrête pas. C'est trop stylé. Allez, merci pour les petites balles. Clac, clac, clac. Allez. Hop, je vais prendre l'arc. Je vais refaire des munitions. Bah. Regarde-toi là. Et. Oh! C'est one shot dans la jambe, mon gars. Je vais me refaire des petites munitions de. De flèches. Allez, go. Je sais même pas par où passer. On va dire que c'est par là. On va dire que c'est là. Waouh. Wow. Merde. Putain, c'est chaud. Quoi? Oh, il balance des fumigènes. Merde. Wow, c'est chaud là. Oh. Oh salaud! Ah, j'ai une machette! Hein. Waouh! Ah putain, soigne-toi! Putain, je suis dans le brouillard! Ils ont des masques à gaz! C'est salaud! Merde, qu'est-ce que je fais? Je prends ce flingue! Ils sont où? Putain, ils sont où? Putain, c'est chaud là! Ils veulent vraiment ma peau! La fumée, elle s'en va jamais en fait ou. Ok, il est là-bas! Salopard mon gars, tu vas brûler en enfer. Bah ouais. Brûle. Ah, tu dis quoi maintenant? Oh ouais, c'est chaud. C'est bon, il est mort. Waouh. Tu me rappelais plus que c'était chaud comme ça. La machette, je vais. Ah, je vais peut-être la. Je vais changer avec ça, tu vois. Voilà. D'ailleurs, je sais pas si je peux créer un petit truc cool. Non, pas encore. Va falloir d'autres ingrédients. Allez, on continue. Allez. Waouh. C'est tant d'axe, hein. Putain, elle a une machette, elle est parfaite, ça. Ouh. Putain, ils sont où? Allez. Ne laissez pas s'enfuir. Waouh. Allez, recharge. Oh putain, ils sont là. Je vais éteindre ma lampe parce que il me grille avec ma lampe en plus. Allez, go. Ya. Yeah. Je m'en souviens. Et c'est pas Tommy, les gars, c'était pas Tommy. Laissé partir seul. Jesse. Oui, Dina. Elle est en sécurité.
Elle est juste malade. Comment ça, malade? Elle va bien. Déployez-vous! Elle est partie par là! Oh putain, ils sont nombreux. Ça va? Tu tiens le coup? Ça va aller. Tes potes me sont tombés dessus. Sans même un avertissement. Dis-moi que t'es pas venu tout seul. Tu m'engueuleras plus tard. T'es vraiment trop con, j'espère que tu le sais. Ouais. Bon. Tu vois cette bagnole? C'est ça ton plan? Il faut qu'on se tire d'ici. Ok. T'es prête? Ouais. C'est vraiment un plan de merde. Bon, qu'est-ce qui se passe? On a une intrusion. Je prends celui de gauche. Putain, encore? Il nous faut plus de sentinelles, bordel. C'est pas à moi qu'il faut dire ça. On peut aller voir cette maison? Ouais. Allez. Allez, vas-y, nickel. Bien joué. Jesse s'est occupé de l'autre. Hop là. Oh. Putain, c'est horrible de tuer des gens comme ça, là. C'est... Celle-ci, elle avait l'air vraiment gentille en plus, tu vois. Hey, oh mon dieu. Tu vois quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Kira? Hé, hey, ça va? Bah ouais, mon gars. Bah ouais, mon petit gars, tu crois quoi? Bim. Bordel, Carrie est mort! Ouais, ta pote aussi, elle est morte. Bam! Eh bah oui, t'inquiète. Je gère. Je récupère leurs munitions. Ah ouais, t'as les clés? Magnifique, magnifique. Vite, on se casse, on se casse, on se casse. Vite, 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 on se casse. Ils arrivent, ils arrivent. Ok. Ils arrivent! T'es sérieux là? Oh purée! Allez, parez-vous! Allez, démarre cette voiture! Waouh! Oh! Oh mon dieu! Ouais, je sais! C'est une dinguerie! Allez, allume cette putain de voiture! Oh! Allez, vas-y! Waouh! Oh, c'est une dinguerie cette scène! Ellie! Oh, les impacts dans le pare-brise! Oh. Je sais, je sais, j'essaye! Arrête pas de bouger! Waouh! C'est trop bien fait les impacts dans le pare-brise! Waouh! Waouh! Putain, y'a elle aussi là! Ah, c'est pas vrai! Waouh! Oh purée! Y'a la nana là! Y'a la nana! Y'a la nana! Oh! Oh merde! Oh non, c'est pas vrai! Recule! Y'a un claqueur! Oh! Oh non, oh non, oh non, oh non! Wow! Dégage, dégage! Purée, mais c'est dinguerie cette scène! J'avais oublié comment elle était stylée. Oh mon dieu. Remonte, remonte. Waouh. Incroyable la scène. C'est une dinguerie. Du Naughty Dog pur, les gars. Franchement. Ça va? Ah, je suis au top.
Je crois qu'on est bon. Allez, viens. Vas-y. Par là. Ok. Retour au théâtre. Dina! Salut. Oh, c'est pas vrai. Jessie. Salut, Dina. Oh. Hey. Est-ce que ça va? Faut juste que je me repose un peu. On devrait rentrer à l'intérieur. Ouais. Allez, viens. Doucement. Maria, t'as laissé partir? J'ai filé en douce. C'est pas mon genre de laisser tomber mes amis. Il paraît que t'es malade? Non, c'est... seulement des maux de ventre. Allez, viens t'asseoir un peu, d'accord? C'est lui le père, en plus. Non, laisse. Oh, t'es pas obligé de faire ça. Oh, ferme-la. Alors, t'es parti quand, de Jackson? Un jour après vous, mais la neige m'a ralenti en arrivant dans l'Oregon. Ça fait 2 semaines que j'enchaîne les journées de 18 heures pour vous rattraper. Ellie qui sent un petit peu, tu vois, mise à l'écart. Non? Tout va bien? Ouais. Ouais, ça va. Ok. Franchement... 2 ans pour si peu. Plus tôt. C'est vrai, quoi. J'oublierais mon propre anniversaire si elle était pas là pour me le rappeler. Tu devrais simplement t'excuser. J'ai juste dit que... Bon, d'accord. Qu'est-ce qui va pas? Rien. Pourquoi? Je le vois à ta tête quand ça va pas. Je réfléchis juste à des trucs. Hésite pas si jamais tu veux en parler. Ok. Tonton Tommy. On va s'arrêter là pour cet épisode. Incroyable, cette scène de fin. Waouh, magistrale, hein, franchement, du Naughty Dog pur. Ça me rappelle certaines séquences dans Uncharted. Trop stylé. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Merci de l'avoir visionné. N'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire pour soutenir la chaîne et de vous abonner pour ne pas louper les prochains. À très bientôt avec Ellie pour un petit flashback avec Tommy. Plutôt cool.